Alors aujourd'hui, on va préparer le mélange d'épices qu'on nomme massalé à La Réunion. Alors on a l'habitude maintenant, par facilité, à acheter ce mélange tout près dans les marchés ou dans les grandes surfaces. Mais sachez que quand il est préparé maison, quand on le prépare soi-même, c'est là qu'il a toutes les saveurs, c'est là qu'il révèle tout son arôme. Bien sûr, il nous vient d'une recette de l'Inde où le masala, ou ce qu'on appelle aujourd'hui par défaut la poudre à curry ou la poudre à curry, mais le masala en Inde et le masala à La Réunion, bien sûr, il y a des fortes ressemblances. Sauf qu'à La Réunion, ben, pas à cause du métissage, à cause de différentes raisons, on a réduit le nombre des épices et aujourd'hui, on n'utilise plus du tout à La Réunion dans notre mélange, dans notre masala, ben, on ne met pas de la cardamome, on ne met pas de la cannelle, on ne met pas du fenouil, on ne met pas du massi, on ne met pas beaucoup d'épices. Donc on a restreint cette quantité d'épices et ça se résume aujourd'hui à peu près entre 4 et 6 épices. Donc l'épice principale, bien sûr, c'est les graines de coriandre qu'on appelle donc cotomilie à La Réunion. Donc là, il faut par exemple, pour un certain volume de massalé, on va raisonner en volume, en verres, on va dire 3 verres, 3 volumes de coriandre. 3 volumes de coriandre. Ensuite, la deuxième épice dans l'ordre de quantité, on va dire, on va mettre du cumin. Et là, on va mettre un 3/4 de verre. Donc la même mesure que la coriandre, on va prendre 3/4 cumin. Donc cumin, ce qu'on appelle ici cilon, le nom indien, ou tipai, le nom commun à La Réunion. Donc 3 volumes de coriandre, un 3/4 de volume de cumin. Et là, dans le reste, dans le quart qui reste, c'est là qu'on va rajouter donc un certain nombre d'épices, et c'est là qu'il va faire la personnalisation de chaque poudre d'épices. Donc chaque famille va mettre, par rapport à ses affinités, par rapport à son goût, par rapport à ce qu'elle dispose, va mettre un certain nombre d'épices qui fera que le massalé de monsieur Intel ça ne sera jamais pareil celui de madame Intel, et pourtant même dans les environnements très proches, au sein même d'une famille, on trouve différentes sortes de massalé. Alors, les différentes épices, bien sûr, donc il y a de la moutarde noire, les petites graines toutes rondes noires. Il y a du fenugrec, grec, qu'on appelle aussi, donc le fenugrec grec c'est le nom français, et on appelle aussi à La Réunion méthi ou vendion. Ensuite, on peut rajouter donc des grains de poivre, on peut rajouter du piment sec, et dans beaucoup de familles à La Réunion, on met encore quelques clous de girofle et un morceau de noix de muscade. Bien entendu, on peut mettre aussi des feuilles de caloupiné. Les feuilles de caloupiné, qui sont appelées à tort en Europe ou en Angleterre des feuilles de curry, parce qu'on l'utilise beaucoup dans le curry, dans le curry. Les feuilles de caloupiné, donc c'est un petit arbuste qui pousse à La Réunion, et on utilise ces feuilles pour aromatiser toutes les préparations d'origine indienne, donc dans beaucoup de achars, de massalés, etc. Donc quelques feuilles de caloupiné. Et on va faire donc torréfier ce mélange d'épices dans une poêle en prenant la précaution de mettre les feuilles de caloupiné, ça va faire donc une espèce de protection pour que le mélange d'épices ne soit pas brusqué, ne soit pas en contact trop fortement de la poêle. Et on va avoir un rissolage très doux, très léger, ce qui va faire que nos épices vont devenir torréfiées, c'est-à-dire légèrement grillées, mais sans pour cela être brûlées. Donc torréfiées, donc c'est grillé à sec. On va donc commencer par ajouter la coriandre, les feuilles de caloupiné, et on va remuer quelques instants à feu doux jusqu'à ce que les graines de coriandre commencent à roussir légèrement. Ensuite, on va rajouter donc notre quatrième verre, composé donc de cumin, de moutarde noire, de fenugrec grec, de girofle, de muscade, etc., de poivre, etc. Donc on va remuer l'ensemble de ces épices jusqu'à ce que on va entendre le crépitement des petites graines de cumin et les petites graines de moutarde qui vont s'éclater. Donc on va entendre pef, 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 pef. Et on va donc continuer à remuer jusqu'à ce qu'on peut, lorsqu'on va prendre des feuilles de caloupiné dans ses doigts et écraser, donc les feuilles vont s'écraser facilement et vont se transformer en poudre. Ensuite, ce mélange, on va laisser refroidir, on va mettre ça dans un grand plat ou dans un van, on va laisser refroidir légèrement et on va le réduire en poudre. Alors aujourd'hui, bien sûr, 99% des ménages le font dans un moulin à épices, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais sachez que dans les familles, il n'y a pas si longtemps, dans beaucoup de familles, ben, on pouvait écraser ce mélange-là sur un hamis, sur une roche, une grande roche rectangulaire. On pouvait écraser ce mélange d'épices-là en mélangeant le gingembre, le piment, le curcuma frais, etc., pour avoir une pâte de massalé. Aujourd'hui, on va faire donc une poudre de massalé et le reste de la garniture,
c'est-à-dire le gingembre frais, le curcuma frais, le piment frais, on va le rajouter dans notre préparation de légumes ou de viande. Une fois qu'on aura broyé ce mélange dans le petit moulin à épices, éventuellement, on peut le tamiser, on peut la tamiser, cette poudre, pour qu'elle soit vraiment la plus fine possible. Bien sûr, on peut conserver ce mélange de masala, il est meilleur lorsqu'on le fait tout de suite, mais si, bien sûr, il vous reste un tout petit peu et vous voulez le conserver, ben, déjà, il faut mettre dans un bocal qui ne soit pas transparent, qui ne soit pas au contact de la lumière. Donc, évitez de mettre sur les étagères sous le néon ou à côté de la fenêtre, c'est vraiment pas l'endroit idéal pour conserver les épices. Donc, dans un bocal, éventuellement opaque, bien fermé, et on peut le garder quelques jours, quelques semaines même, à condition de mettre à chaque fois des cuillères très très propres dedans, de ne pas mettre, de ne pas prendre avec des cuillères humides ou sales, et on peut le conserver. Mais sachez que un vrai masalé, ça se fait au moment, et c'est là qu'on découvre vraiment. Dommage que à Internet ou à la télé, on n'a pas les parfums, mais c'est quand on fait sa poudre de masalé, c'est là qu'on sent le nombre incalculable d'arômes qui sort de ce mélange. C'est vraiment fantastique.